Oh! Yes! On t'a niqué! Oh, c'était cette coordination, vous avez vu ça? Là, évidemment, il ne peut pas s'approcher. Qu'est-ce que je viens de dire, enculé? Je t'ai dit que tu peux pas t'approcher. Et regardez, il s'approche. Il peut pas s'approcher, il s'approche quand même. Comment fait-il? Pourtant, il ne peut pas. Hein. J'ai vérifié. Sous tout, et alors? Hop là! C'est marrant. J'admets que c'est drôle. Il doit bien s'amuser, mais je rentre moi. Je peux me le faire très très rapidement. Hein. En vrai, c'était encore plus rapide, plus facile et rapide que ce que je pensais, ouais. Les deux. Genre, j'ai juste lancé tous mes sorts, quoi. Et il est mort. Alors, évidemment, je fais des mercures. Des PV, voilà. Non, peut-être de l'AD plutôt. On va pas le laisser prendre ses marques. En tout cas, il peut pas approcher. Mais personne n'a dû le prévenir. Il fait toujours le contraire de ce que j'attends de lui. Ça abandonne, hein. Malin ça, hein. Malin de rester immobile comme ça. 3, 2, 1. Ouais, ok. Oh merde! Oh, ça va. Je croyais avoir raté mon combo. Enfin, j'ai raté mon combo puisque je l'ai pas fait. Je voulais lui faire évidemment un EQ spell, mais j'ai oublié le E. C'est technique, Jarvan, vous savez. Très technique comme champion. Ah, elle ne m'a pas vu. C'était plutôt imprudent si tu veux mon avis. Nice, elle m'aide à farm. The level diff is huge. Juste notre jungler qui ruine la game en ignorant les drakes. À part ça, on est guinde. Allez, un peu de PV quand même. Ah bah, Orianna a tué Ryze. Bon bah, je vais aller mid. Je m'en vais, y'a Malzui. T'apprends pas toi, hein. Après Jarvan c'est early comme champion. Faut pas vous laisser tromper. Dans 20 minutes je sers plus à rien. Je peux venir, j'ai pas d'ulti. Ou alors je peux retuer Ryze. Ou alors je reste pour avoir le Drake. Pour une fois, on va pas leur laisser tous les Drakes, parce que c'est typiquement comme ça qu'ils vont gagner. C'est leur seule chance d'ailleurs. Ils ont pas grand chose d'autre. Ok. Elle a même pas essayé. Regardez Shaco, il est top! Il s'en bat les couilles des Drake. Hein. On va l'éduquer un peu. Bon, même si on a gagné, ça coûte rien. Il va s'améliorer comme ça. Bien connu, les alliés ils s'améliorent si vous leur dites quoi faire. Oh merde. Oh là là, oh, c'est allé loin ça! Ok, j'ai troll. Complètement troll. Là, la game va empirer peu à peu et on va finir par la perdre. J'ai l'impression que mes alliés font rien en fait. Sauf Shaco qui troll. Ah, Shaco! Il va tuer peut-être Nidalee. Oh, le critique! Je vous jure, il faut qu'ils fassent quelque chose, les alliés! On va perdre là, hein! Ils servent à rien! Ils font que me troll! Non mais Shaco faut qu'il arrête. Shaco, il y a un Drake dans 10 secondes et tu te montres top. Le mec il a aucune pudeur. Hein. Et il a fait ça pour tous les Drakes. Même celui qu'on a eu.
Ah, tous les Drake, ils se montrent top. Le mec déteste les Drake. Merci, Wifi. Ouais, ça swing, ouais. Chaco, le mec reste top en plus. On va pas défendre ce Drake toute la vie. Bah, c'est bien, t'as pris une tourelle. Super content, hein. Tu sais, j'aurais pu le faire, ça. On aurait pu avoir le Drake et la tourelle. Quoi? Mon dieu. Ah, attendez, mes alliés, ils les ont tués? Oh, ils ont eu tué 3. Chaco, il est tellement bourré, lui. Eh bah. Ouais, bon, tu es Nidali au pire. Ok, je les ai fait flash. Pouf. Oh, Caitlyn! Ne me tape plus, Caitlyn. Ah, Chaco est du côté du Drake, alors que le Drake est apparu. À noter, à noter. C'est une belle avancée. Par contre, j'ai aucune ward là. Bon, je vais TP là, écoutez. Oh là là, il va y avoir un gros truc qui va se produire là. Yes! Putain, Caitlyn! Arrête de one shot un peu! J'en ai marre de cette musique entre guillemets. Les Pikmin, évidemment! Putain de musique des Pikmin. Musique entre guillemets. Salut à tous les fans du Québec. Hein. S'il y en a dans le chat. Oh! Mais c'était épique ça, j'ai pas regardé toute l'action, mais ça avait l'air épique. Bon, Caitlyn, ma pire ennemie. Je la croise, je lui défonce sa mère. Bon, ça c'était pas Caitlyn, mais c'est un free kill. Depuis qu'elle existe, c'est un free kill cette Nidali. Prends le drapeau. Dash sur le drapeau, voyons. D'accord, ça lance un hachoir comme ça. Sans sommation. Bon, si ça nous surprend, nous, ça surprendra aussi les adversaires. Ha! Eh ben, on leur laisse. Bah, c'est bien, ça. Bah, c'est super, Chaco. Comptez les objectifs obtenus par Chaco. Le mec, il est déjà parti farmer top. Il l'a totalement abandonné. Ah oui, il y avait un Drake en même temps, c'est pour ça. Chaco, dès qu'il y a un Drake, de toute façon, ils vont avoir les deux. Hein. Aucun problème pour eux. Ils ont 4 Drake et Nashor, hein. Chaco. Mais sinon, t'as fait du bon travail. C'est vraiment horrible, cette partie. Ouf, triplé. Bravo, mec. Comme quoi, c'était pas si dur, hein. Chaco, quand il joue, il sert à quelque chose. Pourquoi il joue pas plus souvent? Je connais cette musique, ça me dit quelque chose. Je te regarde sur YouTube sans jamais être venu sur tes lives et me voilà. J'attends les trolls. C'est que en vidéo, les trolls, hein. Ici, c'est sérieux. On joue sérieusement. Et on parle sérieusement. Il y avait un débat sur la politique, là. Donc, qu'est-ce que vous disiez sur les gilets jaunes, le chat? Donc là, évidemment, il y a le grab de Thresh qui passe. Attention au E qui va... Oh là là, la lance qui loupe Morgana de peu. Ça l'a frôlé. Très, très intéressante, cette partie. Donc, toujours dans l'analyse. Merci Wifi Animation pour ce don de 2€. Ce serait pas une super partie pour Ilao YAP. Ça, c'est du troll. Bannissez Wifi Animation, s'il vous plaît. Il n'est pas sérieux. Oh non, c'est pas Caitlyn, dommage. Moi, je ne suis intéressé que si c'est Caitlyn qui meurt. Oh ouais. Oh ouais. Et après? Retour. Ah, merde! Il m'a grab! Je voulais redash sur mon. Oh, Chaco qui tuerise, c'est bien. Est-ce qu'il y a des moments où il a envie d'être utile et des moments où il a envie de troll? Je sais pas ce que c'est l'objectif de ce Chaco. Est-ce qu'il a envie de gagner ou de perdre? Je saurais même pas dire. Mais en tout cas, on aurait dû gagner il y a bien longtemps. Ok. Après, faut bien que quelqu'un ward. Sinon, on a même pas l'info sur le Nashor en fait. Et ils vont le faire et puis on verra même pas. On a une ward ici, très bien. Super taf. Chaco, il va split push. Il va prendre un inhib, eux, ils vont prendre Nashor. Ok, bien joué, Chaco. Oh oui, il y a le Drake ancestral en plus. Par contre, il faut vraiment qu'on se bouge. Eh, trop tard. Trop tard pour se bouger, malheureusement. Chaco, il plaisante. Yes! Oriana! Oriana, DS. Oui!
Oui, c'est bien, c'est bien. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement ce qui aurait dû se passer, il y a bien longtemps. Franchement, si on a pu gagner alors qu'ils avaient le Drake Ancestral, là, on devrait gagner, si on arrive à fight, bien sûr. Là, on va être à 4 sur Rise alors que c'est le gros nul. Mais il n'y a pas d'objectif à prendre, de toute façon. Ah. Ok, il flash. Intéressant. Et ils ont pas eu Rise. Je crois que c'est ça le plus intéressant dans toute cette histoire. Ouais. Admettons. Intéressant. Ah, ça a touché, ça. Après, ils follow pas les alliés, en fait. Ils ont tellement peur. Moi, je suis censé engager, mais c'est si dur avec cette équipe qui reste toujours le plus loin possible du danger. Prochain objectif dans 2 minutes. Eh ben. Je me demande ce qui va se passer pendant 2 minutes. On aurait dû la terminer à 20 minutes. Hein. Il y avait 4 à 16. On gagnait 4 à 16. Nous. Ah. Un peu malaisant. Ah là, pendant ce temps, il se passe quoi ici? Oh. Propre, les gars. Je suis pas mort, c'est plutôt bon signe. Je commence à tanker la Caitlyn. Oh 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 oh. Oh non! La catastrophe. On n'a pas des alliés là? Les gars, on a vraiment besoin d'alliés. Oh merde. Ah, quelle idée de mourir, les gars. Ah, il y a Drake Ancestral. Ouf! Ah, c'est 250 gold. Bien ça. Shaco. Ah! On a eu que Rise. C'était évident qu'ils seraient tous là. Mais je suis un peu débile. Oh! Ouais! Non! Putain. Yes! Il est mort là. Ok. Sterak, Malmo, ça marche pas débile. Le bouclier se cumule pas, mais les deux marchent. Mais j'avoue que j'ai plus tout besoin du Malmorsus. Je crois que c'est ça que j'ai enlevé. Faut pas se faire avoir par Nidalee, elle sert à rien. Donc même si elle se place n'importe comment, je vais pas go in. Oui, ça c'est l'erreur. Bon. Si ça me coûte pas trop de sorts, ça va. Déjà, gâcher un Q-spell pour cette Nidalee, ça rend un peu triste. Je suis un peu bougon. Shaco va prendre les inhibes. Non, non, mais utilise pas tes ultis pour Nidalee. On s'en branle de Nidalee. Ah oui. Oh là là. Là, ils vont prendre Shaco, peut-être. Il prend un inhib. Moi, je fais quoi? Je TP. Ya! Ouais, dégage, ouais. C'est bien, c'est bien. De toute façon, j'aurais pas l'occasion d'utiliser mon ulti avant longtemps. Autant tuer leur jungler, et comme ça, on a le Drake. Après, ils doivent faire le Nashor en 2 secondes. Oh non, ils font pas Nashor. C'est bien, ça. Non, la Nida, elle est terrible. Quoi, ils FF? Bah, ça peut pas se terminer comme ça. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette partie? Ça se finit comme ça. Oh, l'anti-climax. Ils FF. Ils ont pas FF quand ils étaient en 4-16. Par contre, là, ils ont perdu Nidalee, c'est mort. Nidalee en quoi? En 5-19, je sais pas. 5-16, excuse-moi. Ouais, il dit tout FF. Ah, tellement. Bon, après Caitlyn a été toute seule. Oh là là, c'était infâme, cette partie. La pire partie qui dure 1 heure pour un random FF. J'ai l'impression d'avoir rien fait, en fait, après 20 minutes. J'ai l'impression que j'ai passé 30 minutes à attendre. J'avais quoi, 7 kills? J'avais 8 kills à la fin. Mais les 7 premiers kills, je les ai pris au début de la game, et puis après, plus rien. J'imagine pas la Caitlyn. La Caitlyn qui avait 16 kills, qui défonçait tout, et il y a toute sa team qui FF, sauf elle. Je me mets à la place de Caitlyn, je serais tellement dégoûté.